déjà 7h dans tout studio Télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui, jeudi 11 janvier, pour capable présenter toute information qui a dominé l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sous Télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points, un nouveau bureau prend fonction officiellement dans la tête du Sénat République, mardi 9 janvier. Biosa a gagné la dernière comme président sénateur Joseph Lambert, Pierre-François Sildo, vice-président, Dieupi Chérubé, premier secrétaire, William Joseph, deuxième secrétaire, et puis Honorine Lui, Kesté. Travail réhabilitation dans divers réseaux d'INEPA dans la région métropolitaine à Port-au-Prince, zone 2 et zone 3, ta dû commencer avant longtemps. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présente grand li travail sa yo pour l'année 2018. La. Et puis, à l'étranger, président américain Donald Trump a pas écarté possibilité pour payer le retour dans l'accord Paris sous question changement climatique. La. Donald Trump a fait déclaration sa yo hier mercredi. Ya. Ce grand point sera quelque chose pour nous capables de porter pour nos journal là. Cependant, on a un petit coup de pause, pas déplacé, on a tourné tout à l'heure. Merci pour fidélité ou attention à l'édition nouvelle ça chaque matin à 7h pour nous capables d'informer rapidement mes points qui met développement actualité. Il y a un nouveau bureau pour fonction dans le Sénat République là, mardi 9 janvier 2018. Là. Bureau tout neuf ça, il gagne en tête comme président sénateur Joseph Lambert. Esaïe Aurélius à Quilbridge Moïse a présenté nos contrats. Joseph Lambert président, Pierre-François Sildo vice-président, Dieupi Chérubin premier secrétaire, Willie Joseph deuxième secrétaire et Honorine Lui Kesté, ces cinq sénateurs qui forment nouveau bureau grand corps. Bureau tout neuf ça, gagne mission pour mener bac Sénat pendant une année. Faciliter l'Assemblée sénataire à produire plus et puis travailler pour Parlement jouer rôle li. Bon côté exécutif là, comme responsable souveraineté nationale là, c'est objectif bureau ça, d'après président Joseph Lambert. Je prends devant vous l'engagement de justifier à travers chacun de mes actes la confiance que vous avez placée en moi. Cette confiance qui, désormais, fait de moi le deuxième personnage de la République. Je suis conscient de la particularité qui caractérise ma nouvelle charge, telle que la Constitution en vigueur fait du pouvoir législatif le co-dépositaire de la souveraineté nationale. Sénateur Lambert plus loin dit conscience ou exigence à quantité de travail, tâche à amender. Les féliciter et puis demander collaboration collègues Lio pour faire Sénat avancer. Je présiderai donc l'Assemblée nationale en gardant toujours à l'esprit la parcours précis. Mon pays a le grand besoin d'un souffle nouveau. Il y a tant à faire et le relèvement urgent passera nécessairement par le remembrement de nos institutions. J'assumerai parce que j'ai appris à cultiver le sens du devoir. C'est pour deuxième fois, Joseph Lambert arrivé dans la tête du Sénat République là. Pendant l'élection, il fait 28 sous 29 voix qui étaient possibles. Joseph Lambert remplacé Yuri La Tortue qui passait yon l'année dans pas ça. Coordonnatrice nationale au programme national cantine scolaire Fanaise à la guerre, dressé bilan divers travail et actions institutionnelles dirigées fait pendant l'année 2017. La. Yon bilan coordonnatrice PNCS la croit qui est satisfaisant par rapport à l'intervention yon fait dans différentes écoles qui bénéficient du programme la, à direction yon temete campé dans tout département pays d'Haïti. Fanaise Laguerre annonce quelques projets en perspective. Yon extrait dans le micro Richardson Joudan et Michel Joseph. Nous avons fait une évaluation de PNCS. Côté que le département PNCS n'a pas existé. Nous disons que son
un programme national, c'est pour un programme République de Port-au-Prince. Nous arrivons à mettre PNCS dans tous 10 départements. C'est vrai que nous n'avons pas de moyens, mais l'état de l'espace, nous disons si personnel là existait. Il y a deux côtés, c'est un bec dans le dos, nous disons non, c'est inacceptable. Nous demandons accompagnement, nous avons un espace, nous mettons bureau ça haut. Et je dis à chaque département, et seul département qui a un retard, qui c'est Nord-Ouest, mais dans chaque département où rive ou abjoint, il y a un espace qui dit CPNCS avec un staff qui a desservi la population haïtienne. Nous avons des agents de suivi qui sont souterrains, qui ont contrôlé, qui ont régularisé les questions et domaines cantine. Ça veut dire, même le PNCS pas bon manger, mais l'État autorise nous. L'État ben nous pouvoir pour que nous regardions l'autre institution yo, comment il a fait cantine. PNCS a des yeux fixés sur nous, il a des regards sur nous pour regarder comment si moun pa nou yo a manger. Est-ce que on mange dans des conditions hygiéniques? Est-ce que on mange régulièrement? Est-ce que manger que on a fait c'est de manger que ti moun yo ka manger? Nous dit que sur le plan institutionnel tout, nous offrir institution un manuel contrôle interne. Nous venons avec de l'autre et nous voter dans PNCS, c'est vrai que c'est deux projets en cours, deux projets de pilote. Nous venons avec sacré les jardins scolaires. Si nous dit Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Nous gagne de produits na baïti moun nan manger cap bon an 1 mois et demi nan 2 mois. Ça veut dire nan 2 mois, l'o prend légumes yo, y a bon. Nous dit n'a accompagner ti moun yo pour ti moun yo mettez ça au pral manger au même pour compte yo, yo planter le mettez la valeur. Légumes, haricots, c'est le bagay qui bon dans 2 mois, dans 3 mois au plus. Quelques jours après, 4 employés ministère Travaux publics en transport à communication ont perdu la vie. Pendant qu'ils ont débouché tout Rego, responsable service entretien équipement Iberie Rala, ingénieur Joie Service Nader et une équipe télévision nationale d'Haïti. T'es présent dans l'espace côté incident ça t'est passé. C'était occasion pour ingénieur Joie Service Nader lancer un appel là by population haïtienne pour pas jeter fatra dans trou rego qui représentait d'après lui une menace pendant le fait qu'on est gouvernement après toutes mesures nécessaires pour accompagner famille moun qui victime dans drame si là. Yon extrait dans Nico Richardson en Joudan ak Michel Joseph. Canal sa yo tap kure et gon li des bus qui sorti dans Léona là, gon l'autre qui sorti bon Mivana. Yo rencontré là et puis au boucher tant qu'on garder là, on chargé patra. Et puis yo tap débouché li et puis nan débouché là et puis de l'eau en pété et puis force de l'eau en trèf. Force de l'eau en beauté yo et puis te gen 6 qui en bas qui était dans la ligne, et puis il y a 2 qui ont été sauvés, et puis 4 perdu la vie. Mais comment comprendre ça qui passe? Bon, ça qui passe, c'est le résultat de mauvais comportement de la population. C'est qui, par ignorance ou par méchanceté, qui a jeté fatra dans la ligne canal, dans tout canal. Et pas oublier, il y a un canal à ciel ouvert, c'est canal sur qui est en dehors des centres-villes, et il y a un canal et ouvrage souterrain, parce que canal à ciel ouvert là pas qu'à traverser ville. Et mes canaux ça yo les mette fatra dans canal à ciel ouvert yo li passé en dedans bijo li vinn boucher line donc c'est à bradom pour nous déboucher et tout dépend des dimensions canal ça tout dépend des quantités d'eau tout qui en amont l'elle déboucher le force doit qu'on partir avec yo li qu'on partir avec yo yo blessé yo gen l'autre problème mais cette fois-ci c'est en pile monde nous gen qui mouri donc c'est non déplorer situation ça non ta et nous profiter espace ça pour nous dire mon yo canal yo pas de servi comme lieu de décharge et faut yo font effort dans mental yo effort dans négligence yo dans m'gè droit dire dans méchanceté tout pour connait chaque monde connait c'est dans canal yo pour vider fatra chaque pour vider on fatra dans canal c'est risque d'accident qui augmenter donc c'est situation ça pour tout monde qui était dans espace urbain
nous comptons comment pour servir à l'environnement ça. Et ministre des Travaux publics, ingénieur Fritz Kayo, directeur général, ingénieur Vilma, et réuni hier pour nous d'abord pour nous coûts, ça a coûté nos propres enterrements, et puis comment nous sommes capables d'accompagner les parents pour ces gens qui ont gagné, qui pour aller à l'école et autres. Les gens qui ont employé les Travaux publics, oui. C'est employé 116, ils ont employé. Et employé, c'est là-dedans qui gagne là-dedans 10 ans, 5 ans. 8 ans depuis le travail et dans le système. Nous avons annoncé dans le grand titre, directeur général de la Direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard, présenté grand lien de travail réhabilitation dans divers réseaux d'INEPAN dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, zone 2 et zone 3 pour l'année 2018. D'après Guito Edouard, travail sa yo a réalisé dans l'idée pour permettre à la population dans la zone sa yo bénéficier plus de l'eau potable et puis améliorer la qualité de service d'INEPA à la population haïtienne. Reportage avec un confrère Saint-Croix-Paki et Laurent Dali Jean-Jacques. Objectif d'INEPA pour l'année 2018 là, c'est augmenter la production à 330 000 mètres. De l'eau potable pour alimenter réseau métropolitain Port-au-Prince 2 à 3, réhabiliter source d'approvisionnement, construire l'autre station et puis porter amélioration dans la station pompage Marianian. Pour travailler ça, réaliser, Banque Interaméricaine Développement BID fait un don financement 20 millions de dollars américains. Programme Port-au-Prince 2 qui vient gagner l'autre objectif qui est beaucoup plus renforcé. C'est-à-dire l'augmentation de la production. Et là, on parle de augmentation de la production, c'est construction de nouvelles infrastructures, amélioration des stations de pompage existantes, accompagnement, ça n'est capable de l'assistance technique opérationnelle là, qui est capable de faire que DINEPA, à travers le réseau CTMPP, fournit mounio bon de l'eau potable. Avec BID, programme Port-au-Prince 2 à une page une plus FLI à partir de mi-2018, eh bien, joigne au financement d'environ 20 millions de dollars au niveau de la BID. J'aime dire non, c'est augmentation de la capacité de station de Pompagio, plus particulièrement station de Mariani, qui va passer de 8000 mètres cubes par jour à 24000 mètres cubes par jour. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, expliquait que le gouvernement a continué à accompagner d'INEPA pour arriver à faire travail infrastructure sa yo, en façon pour renforcer la capacité institution. L'État a accompagné d'INEPA. D'abord, bail au repas, tout au repas, j'ai dit 4 au repas qui gagnent au niveau du territoire national, au repas ouest, au repas sud, au repas centre avec au repas nord, infrastructure hydraulique, tuyaux avec accessoires hydrauliques, mais tout bail matériel engin lourd pour réaliser des travaux en régie. C'est ça que fait. Sous initiative président Jovenel Moïse, moi annoncé nous gain 508 millions de gouttes qui ont été ban nous pour année fiscale qui s'est passée. L'ensemble de marché gain tant lancé pour nous joindre tuyaux, pour nous joindre matériel et engin lourd pour DINEPA pas capable de réaliser des travaux en régie. Travail forage, réparation réseau, porter assistance technique opérationnelle dans station pompage a duré 24 mois d'après le directeur général DINEPA. Qui fait connaître mission PAL, c'est permettre d'INEPA pour des améliorations dans la qualité de service y a fourni population. Dans l'idée pour garder l'évolution dans le domaine de la formation académique sous affaire construction dans le pays d'Haïti, 8 années après le tremblement de terre 12 janvier 2010, une équipe télévision nationale d'Haïti rencontrée mercredi 10 janvier Edgar Etienne, qui est un membre du conseil de direction. Faculté sciences à l'Université l'État d'Haïti. D'après responsable, il y a un changement qui peut être dans la
programme formation faculté sciences. En nous suivant compte rendu avec Woodley Noël et puis Jean-Jacques Dolor-Dali Jean-Jacques. À côté nouveau cours, direction faculté sciences facilite quelques étudiants faire spécialité yo dans université à l'étranger. Yon façon pour renforcer le programme formation FDS. Après 12 janvier 2010, nous venons renforcer plusieurs cours. Notamment, nous gagnons 2 étudiants par année qui allaient dans l'Université de Sherbrooke avec le professeur Poult, qui dans l'Université de Sherbrooke, qui fait des formations, qui prennent des maîtrises en construction géotechnique. Et nous gagnons plusieurs London qui passent tout. Nous gagnons 2 étudiants qui sont aux États-Unis qui font sismologie. Nous avons en France, nous avons plusieurs étudiants qui sont en Belgique, nous avons même des doctorants, nous avons même 2 docteurs et 2 personnes qui ont fait doctorat en Belgique. Ce qui a changé, c'est qu'à partir de là, nous avons un professeur Poult avec une équipe, qui est un professeur de Sherbrooke, qui entre chaque année, vient faire un cours dynamique des structures. Dynamique des structures, c'est pour prendre en compte l'effet tremblement de terre. Là. Concernant la construction, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, là, Faculté des sciences offre service consultation à travers une unité géotechnique par institution en particulier. Service pour la communauté, c'est-à-dire que si on a fait un bâtiment actuellement et que le besoin de service a un coût assez abordable, depuis l'IGN doit contacter Faculté des sciences. Faculté des sciences présent à tous les niveaux, c'est-à-dire que il y a un laboratoire national qui bâille même service. Bien entendu, nous travaillons à laboratoire national. Et laboratoire national bâille service et c'est des étudiants Faculté des sciences. En général, qui travaillent dans le laboratoire national. Nous avons des autres entités qui font appel à étudiants et facultés des sciences, c'est-à-dire, par exemple, si on fait route, il y a une étude géotechnique qui fait. Donc, là, on fait une étude géotechnique là, étant donné que nous avons une formation en géotechnique et nous avons des étudiants qui partent à l'autre bois, qui ont renforcé les connaissances, le ça, étudiant ça, qui a servi encore pour l'entité ça. Professeur Edgar Etienne a annoncé lancement officiel reconstruction bâtiment FDS là pour 12 janvier qui a venu là. Pour Kounia, faculté a fonctionné dans une partie dans le local institution Saint-Louis Gonzague. Dans l'objectif pour parler sous travail à l'organisation Healing Hands Haiti fait 8 années après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, une équipe télévision nationale d'Haïti rencontrée hier mercredi 10 janvier là, quelques responsables dans l'organisation SILA. Rodney Doléan et Hervé Pierre a présenté nos reportages. Huit années après la catastrophe naturelle qui a frappé Haïti, Healing Hands Haïti continue à être main victime. Prothèses, orthèses, c'est quelques matériels sans réhabilitation ça fabriqué dans propre laboratoire li pour distribuer by moun qui subit handicap pendant tremblement de terre 12 janvier. Donc après le 12 janvier, donc le centre ça a été inauguré et puis victime yo qui était déjà commencé prendre soin dans Healing Hands for Haiti le nouveau centre ça continuer venir recevoir soin et jusqu'ici, OK, après 8 ans après le tremblement de terre, là, des personnes qui étaient amputées, parce que là, là nous font prothèse, nous font orthèse pour une victime. Et ce n'est pas que nous avons fait, nous voyons la caliavel, parce que ça, il mérite des suivis. Certaines fois, si c'est un petit monde, si on a apprenti, donc pour toutes les victimes, ils ont toujours continué à fréquenter son toit. 6 années après l'événement, l'organisation a appliqué une nouvelle technique dans le laboratoire Li. Pour construire matériel qui a facilité handicapé au fonctionner sans yo pas senti trop cicatrice psychologique yo ta kasibi responsable yo na occasion te permettre équipe télévision l'état visiter espace Franzo Pierre c'est youn technicien yo nous gagnons laboratoire 3D 3D c'est réalisation prothèse en 3 dimensions donc dimension x y et z donc sou gagnons ka gon volume et comment nous faisons? Nous gagnons vraiment machine ça yo. Machine ça yo c'est yo qui vraiment imprimer prothèse yo. Pour nous faire, nous avons deux façons que nous faisons. Premièrement, nous sommes capables de jouer un patient d'abord. Nous faisons mesure et puis avec mesure là, nous scannons. Nous avons un scanner qui est DNA. Nous scannons ça et puis ensuite nous travaillons sur machine à partir du logiciel et puis ensuite nous transportons à travers un 4 SD sur
changer, nous faisons plus simple. Nous utilisons un scanner, nous avons juste chita, nous prenons une photo, main blanc, partie qui est amputée, et puis ensuite, nous prenons une photo, ça qui est en trois dimensions, nous travaillons avec un logiciel, soit Mesh Mixer, Cura, etc. Parce que nous utilisons plusieurs, et puis ensuite, nous faisons le même processus, ça, nous juste transporter sous l'imprimante avec SDA. Les gens ont vraiment un panneau de contrôle que nous avons utilisé pour moi faire choix de et fichier que moi mettais sous l'IA. Et une fois que je sélectionne, voilà, je suis sous imprimé. Donc, machine, il commence le travail et puis ensuite, on va voir que le matériel a sorti de l'IA pour qu'elle nous protège, qui est une protège 3D. Il y a plusieurs personnes qui sont handicapés qui ont service en dans Healing Hands Haïti. C'est un signe, d'après le directeur exécutif de l'organisation SAA, Dr. Eddie Levesque, qui montre que les gens handicapés ont une place dans la société parce que ces gens sont tout le monde. N'apprendre dans la question religion, disciple après Marie Lacaille, c'est sous thème sa paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce Paris pour réaliser 9e année ça, dans le cadre de la fête patronale la sortie 12 pour arriver 21 janvier cap vini là. Qui reparoisse l'église Alta Grâce sous Delma, Père Franck qui désire qui dit l'aptan tout fidèle catholique. Juste à yon nan libé pour capable venir prier remettre là. Yon extrait nan Nico Richardson Jouda. Nous venons la fête en trois temps, trois fois par jour. Matin, midi et après-midi. Matin à 5h30, nous venons dans l'église la récitation du rosaire, la prière. Nous venons la messe à 6h. Ensuite, nous venons la prière de la neuvaine. À midi, n'a gagné la prière, n'a gagné la messe avec neuvaine à Notre-Dame d'Alta Grâce. Et dans l'après-midi, à 3h, n'a gagné chapelet Divine Miséricorde, n'a gagné récitation du rosaire, n'a gagné louange et à 5h, n'a gagné la messe avec prière de la neuvaine. Étant donné que la neuvaine a commencé le 12, et 12 janvier, c'est une date que nous-mêmes, peuple haïtien, nous pas capable d'oublier, c'est jour ça qui rappelait nous tremblement de terre dévastateur qui t'a frappé pays nous, qui t'a mis de l'eau dans les yeux nous, qui t'a tué en pile frais action nous, en pile famille nous. Et nous voulons marquer date ça. C'est peut-être ça toute célébration nous yo le 12 janvier a fait en mémoire des victimes du séisme du 12 janvier 2010. Donc à 6h n'a bien messe en mémoire yo, à midi n'a bien la messe en mémoire yo, à 5h n'a bien la messe en mémoire yo avec le flambeau. En ce qui concerne le jour de la fête, le 21 janvier, c'est la grande solennité de Notre-Dame d'Alta Grâce. Nous avons gagné plusieurs messes à 6h, à 9h, à midi. Dans l'après-midi, à 2h, nous avons gagné une grande procession. Procession s'absorti Saint-Martin-Saint-Yves, Delma 5. N'a plongé route de Delma pour nous venir clôturer dans l'église là la solennité de Notre-Dame d'Alta Grâce. Et c'est là dans le chapitre local là nous pour aller à l'étranger particulièrement dans pays États-Unis puis prénom. Puisque le président américain Donald Trump n'a pas écarté hier mercredi la possibilité pour le pays de retourner dans l'accord Paris sous changement climatique.
Donald Trump a critiqué accord SILA, il dit qu'il pas en faveur États-Unis dans sens ça, il demandé pour accord renégocier. Euronews pour plus de détails. Le président américain a créé la surprise mercredi, il n'exclut pas de revenir dans l'accord de Paris sur le climat tout en restant très vague sur ses réelles intentions. Cet accord a été très injuste pour les États-Unis. Honnêtement, je n'ai pas de problème avec cet accord, mais j'ai un problème avec ceux qui l'ont signé, parce que, comme toujours, ils ont conclu un mauvais accord. Donc, nous pourrions en théorie y retourner. Mais je le dis, nous sommes très forts sur l'environnement. Je suis très sensible à l'environnement. Donald Trump n'a pas précisé s'il voulait finalement renégocier l'accord comme il l'avait annoncé l'été dernier. À ce stade, son administration indique que le retrait aura bien lieu, mais que cela prendra du temps, à moins que les États-Unis n'obtiennent des conditions plus favorables. Ce qui semble exclu, en septembre, le président français a rappelé à l'ONU que la communauté internationale était opposée à une éventuelle renégociation de l'accord de Paris. Si de nombreuses villes américaines, comme New York, se sont déclarées favorables à l'accord sur le climat, Donald Trump a multiplié ces derniers mois les décisions en faveur des énergies polluantes. Jeudi dernier, le président américain a annoncé son intention d'ouvrir la quasi-totalité des eaux littorales des États-Unis à l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. N'a toujours été sous territoire américain puisque bilan vin pilou après gros massa labour qui était fin aller à Clizekay dans l'État Californie. Dernier bilan on bay kounia là, il y a 17 moun qui perdent la vie dans circonstance ça. Onyoz pour plus de détails. Le bilan des coulées de boue qui ont ravagé le comté de Santa Barbara en Californie s'est encore alourdi. Elles ont fait au moins 17 morts et une dizaine de disparus. La terre privée de végétation après des incendies ravageurs n'a pas absorbé les trombes d'eau qui se sont abattues lundi et mardi sur la région et s'est affaissée sur des centaines de mètres. Les médecins légistes et la police scientifique travaillent jour et nuit pour que nous soyons sûrs de bien identifier les victimes afin de pouvoir informer leurs proches, a déclaré le shérif du comté de Santa Barbara. À ce moment précis, nous ne sommes pas en mesure de diffuser les noms des victimes ni des informations sur leur identité, mais je suis persuadé que nous en serons bientôt capables. La ville de Montecito, prisée des célébrités, a été particulièrement touchée. Une centaine de maisons ont été détruites, 30 000 personnes ont été évacuées. Des portions d'autoroute envahies par la boue et des débris resteront encore fermées plusieurs jours. Et c'est sous dernière information, ça n'a mis un bout dans le journal à matin. Mais avant nous dire, va permettre que nous rappelions un grand point qui a dominé l'actualité. Un nouveau bureau prend fonction officiellement dans le Sénat République là, mardi 9 janvier 2018 là. Bureau s'agit en tête comme président sénateur Joseph Lambert, Pierre-François Sildor vice-président, Dieu-Pi Chérubin premier secrétaire, William Joseph deuxième secrétaire et puis au nom de Dieu lui Kesté. Travail réhabilitation dans diverses zones d'INEPA dans la région métropolitaine à Port-au-Prince, zone 2 et zone 3, ta dû commencer avant longtemps. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, présente Gredli Travail Sayo pour l'année 2018. Là. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump n'a pas écarté possibilité pour payer le retourner dans l'accord Paris sous question changement climatique. Là. Donald Trump a fait déclaration ça hier mercredi. Nous sommes contents